Les policiers qui ont commis ces crimes, ici, en plein cœur de Paris, l'ont fait avec le sentiment de l'impunité. Dans ce débat un peu macabre, une seule certitude. Le 17 octobre 61 restera l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Ve République. Près de 300 corps d'Algériens pour l'année 61. Au fil des pages, des noms, parfois une photo, des causes présumées de la mort, mais rien, bien sûr. Pourquoi les circonstances? Pourquoi cette folie? Allez. Et où est-ce que je suis? Pourquoi? Mais qu'a fait la police de Maurice? Y a des gens qu'on arrête, qu'on ne reverra plus. Venus des bidonvilles, des alentours de la capitale, venus manifester contre ce qui était anormal, d'une façon pacifique et peut-être utopique. Contre ce couvre-feu qui leur était imposé, ils ont tous défilé en tenue bien soignée. Enfants, messieurs, mesdames, n'imaginez pas le drame. Retour de la place de l'Opéra, direction République. Le cortège est doublé par la force publique qui a tiré sans complexe devant le cinéma Lorex. Ils ont même raflé des gens qui marchaient dans les rues. Par le comité d'accueil, ils étaient attendus. Dans la cour de la préfecture, il y a le droit de bavure. Mais qu'a fait la police de Maurice, durant cette journée longtemps disparue? Mais qu'a fait la popo de Momo? Y a des gens qui ont peur qu'on arrête et qui meurent. C'était le 17 octobre, il ne faisait pas très chaud. Des ponts de la Seine, on les a poussés dans l'eau. Mains et pieds liés, ou classés NPB, noyés par balles, dans le local à poubelle du palais des sports. Des corps jonchent le sol, c'est le palais de la mort. Au stade de Coubertin, il n'y en a pas moins. Francine n'a pas suffi, n'est-ce pas, général? Alors, préfet de police de la capitale, était-ce la promotion pour ce cher Maurice Papon? Même quand ce n'est pas joli, il faut raconter l'histoire. Bertrand Delanoë sait qu'il n'est jamais trop tard. On raconte celle des autres et on oublie parfois la nôtre. On raconte celle des autres et on oublie parfois la nôtre. Mais qu'a fait la police de Maurice? Même en 2020, sur les bords de la Seine, il y en a certains pour qui les fantômes reviennent. Ils ont gardé les mots, j'ai vu la vidéo. Mais qu'a fait la police de Maurice ?